Elle tendait à cibler les sionistes comme étant les causes des malheurs du monde. Alors, on peut en débattre. Je sais depuis 4 ans, pour en avoir été souvent la cible, parce que je m'appelle Boujna, évidemment, eh bien, j'ai vu à quel point la définition du sionisme avait été d'une manière délirante, complètement déformée. Et on arrive à des contradictions idéologiques qui sont assez impressionnantes, mais qui sont malheureusement pas décryptées par les gens qui sont souvent, qu'on le veuille ou non, aveuglés par leur antisémitisme. Je m'explique. On assimile le sionisme au mondialisme. Le sionisme, j'en ai parlé l'autre fois, mais je peux le redire, le sionisme est du nationalisme juif, exactement l'inverse du mondialisme. Le sionisme, au départ, c'est la volonté d'un peuple, d'accord, de retrouver un bout de sa terre. Bon. Donc partant de là, et on sait aussi que le sionisme n'a rien de religieux, bien au contraire, c'est une action politique. Je dirais même mieux, c'est même pas une action, c'est une réaction politique. À savoir que le peuple juif, pendant 2000 ans, a été, partout où il allait, toutes les communautés juives étaient toujours martyrisées, cibles de légendes, de fantasmes, dépossédés, chassés, pogromisés. Et puis la Deuxième Guerre mondiale a été l'apothéose avec, bien sûr, la destruction de 40% de la population juive mondiale dans des camps affamés ou quoi. Bon, bref. Donc, partant de là, il était évident que ça pouvait plus durer. Et je crois que n'importe quel peuple juif ou n'importe quelle origine, à un moment donné, aurait dit, bon, maintenant ça suffit, on n'arrive pas à s'intégrer globalement dans les pays où, partout où on va, on est chassé, etc., ce que je viens de dire. Donc il faudrait peut-être qu'on nous redonne ou qu'on reprenne ou qu'on recrée un petit bout de terre sur cette terre. Il est absolument enfin, inacceptable que des gens qui se disent juste antisionistes ne se rendent pas compte qu'en étant juste antisionistes, ça veut dire que les Juifs n'aient jamais de bout de terre où ils ne sont pas une minorité martyrisée, eh bien, ils ne comprennent pas que c'est du pur antisémitisme. Parce que si on retranscrit ça sur n'importe quel peuple, on dit non, je ne suis pas contre. Un exemple, j'ai rien contre les Arméniens, mais il n'est pas question qu'ils aient un bout de terre. Alors on dit, monsieur, vous êtes contre les Arméniens? Non, 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 moi je suis anti-arméniste. Bon. Donc cette espèce de mauvaise foi, moi, ça me saoule. Je vais continuer. Ensuite. Donc les déformations, les choses qu'on met sur le mot sionisme, il y a satanisme, il y a mondialisme, j'en ai parlé, il y a l'argent, la puissance, Rothschild, protocole des sages de Sion. Là, les Khazars sont sortis il n'y a pas longtemps parce que le protocole des sages de Sion, il commence à s'essouffler, hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était une connerie. Donc depuis quelques années, 5-6 ans, comme par hasard, est sortie la légende des Khazars. Alors les Khazars, j'en parle rapidement. Bien sûr, ce n'est pas une légende, ça a existé, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé. Simplement, la proportion, aussi bien en nombre, en importance, en puissance, a été démultipliée pour faire croire aux gens que les Ashkénazes sont des Khazars. C'est extraordinaire. Parce qu'il faut toujours faire rentrer tout ça dans une espèce de narratif. Alors, je fais une petite parenthèse, les gens qui sont toujours, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et ça qui m'a toujours étonné, même Zahiri, que j'aime pas beaucoup, mais enfin, j'ai mes Zahiri, tu es intelligent. Tu arrives à décoder plein de faux narratifs. À l'époque, c'était la Covid. On peut rajouter aujourd'hui l'Ukraine. On peut rajouter la fausse élection de Biden. On peut même rajouter ça s'appelle Lula. Toutes les arnaques, on arrive, quand on réfléchit un petit peu, à décoder le narratif. Mais dans le narratif gloubi-boulga, qui sont les bases de l'antisémitisme qu'on essaie de justifier avec plein de trucs hallucinants, eh bien là, les mêmes personnes qui sont très lucides sur plein de choses, ils sont à l'écoute. Là, ils avalent tout en bloc. Donc, le sionisme, pour finir, ça n'a rien à voir avec du mondialisme. Et je vais finir encore mieux. Aujourd'hui, puisque le but unique du sionisme était la recréation, je dis bien la recréation, d'un État, ou en tout cas d'un pays juif, en l'occurrence Israël, eh bien, depuis 1948, en vérité, le sionisme actif, celui qui pendant 40 ou 50 ans a fait pression avec des lobbies, avec des influences, avec de l'argent, avec plein de choses, pour que les instances internationales acceptent à la fin quand même de redonner ce bout de terre aux Juifs, eh bien ce sionisme actif n'existe plus. Il est mort depuis 1948. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a besoin de faire pression, le pays existe et il va très bien, merci. Donc même cette évidence-là, que le sionisme n'existe plus en vérité, eh bien personne ne peut l'intégrer, parce que ça casserait tout le roman. Voilà. La perversité de la façon de l'interprétation des faits historiques par Pierre Hilar. Parce que là, tu récites du Pierre Hilar, tu le sais. Non, non, mais il n'y a pas que Pierre Hilar qui dit ça, Bon, hein.
Bon, non, mais tout le monde le dit parce que c'est une réalité. Mais tu vas juste écouter ce que je vais te dire. La réalité des contacts et des négociations entre les sionistes et Hitler est réelle, évidemment. Mais il faut voir maintenant pourquoi. Et je reviens sur Pierre Hillard parce que Pierre Hillard, dans sa perversité absolue, traduit ça par une connexion idéologique. En gros, ah ben les sionistes sont complices des nazis, alors ça n'a rien à voir. Maintenant, ils ont juste négocié pour sauver les juifs, parce que les sionistes étaient intelligents. À l'époque, ils se sont dit, ça commence par des lois anti-juives, ça finira par l'extermination. Donc, si on peut négocier avec eux tranquillement, ok, on s'en va, arrêtez, ne nous tuez pas, on se casse, eh bien, ça s'appelle une négociation. Ensuite, tu as dit un truc qui est complètement faux, et je suis désolé de te le dire, même pas faux, qui est à l'encontre de la réalité historique. Tu parles de ces juifs qui ont osé demander un territoire, et comment? Ils ont osé demander la Palestine. Alors, Maximus, on va faire très simple. Maximus, laisse-moi finir. On va être très simple. Est-ce que tu contestes que la terre de naissance du judaïsme, c'est cette terre? Est-ce que tu contestes que Jésus, rabbin juif, est né à Bethléem? Est-ce que tu contestes donc qu'il y a eu le royaume d'Israël, le royaume de Juda, et que cette terre s'appelait la terre de Judée? Est-ce que tu contestes que Hadrien, le Romain, a changé le nom de cette terre pour punir les Juifs de leur révolte? Il a dit, tiens, Palestine. Est-ce que tu contestes qu'au début de l'histoire, cette terre est juive? Et il n'y a aucun rapport avec l'islam et avec Mahomet qui est arrivé 19 siècles plus tard. Donc, la falsification de l'histoire fait une inversion totale de la chronologie pour donner l'impression que les Juifs ont dit on veut cette terre alors qu'ils n'avaient rien à y faire. C'est un truc hallucinant. Je vais même te donner un exemple extraordinaire. Tu sais que les Arabes ont conquis l'Espagne bien avant les croisades. Hein? Dans le roman Islam, les croisades sont une agression des chrétiens contre les musulmans. Alors que les croisades sont arrivées 300 ans après la conquête de l'Espagne. Donc, agression musulmane contre des terres chrétiennes. Tu vois, c'est encore une falsification inversée de l'histoire. Alors maintenant, je vais te poser une question. Si, ça a duré 600 ans, la conquête de l'Espagne par les Arabes, ou 500 ans, 700 à 1200 à peu près. Et avant les Arabes, c'était les Espagnols, chrétiens, super chrétiens, même des fois trop chrétiens, s'ils ont même violé les Juifs. Donc, imaginons maintenant que les Espagnols aient été complètement chassés de cette terre, d'accord, et que par le jeu de l'histoire, etc., on s'aperçoit qu'ils sont martyrisés partout. On dit bon, ok, on va quand même leur rendre un bout, c'est ça que vous oubliez de dire, un bout de cette terre, parce que vous oubliez toujours qu'il y avait un plan de partage, hein, et ceux qui veulent pas partager, c'est pas les Juifs, c'est les Arabes. Donc imagine maintenant, tu dis aux Espagnols, ben non, c'est pas votre terre, ben, les Arabes ils sont là, c'est à eux maintenant. Mais enfin, nos racines sont là, non, 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 monsieur, vous n'existez pas, on va vous mettre en Australie. Donc, Maximus, j'ai rien contre toi parce que tu récites le narratif qui est récité par des milliers de gens qui oublient le sens de l'histoire. Herzl avait laissé entendre que le sionisme allait s'opposer au nationalisme des autres pays. D'accord? Et c'était une bêtise parce que le sionisme, c'est du nationalisme. Mais 25 ans plus tard, il y a un type un super connu, mais que moi je ne connais pas, j'ai oublié son nom, un Allemand ou un Suisse, qui était de l'école Herzl, on va dire, qui a dit non. Le sionisme doit reconnaître les nationalismes de chaque pays. Ça veut dire que dans le sionisme, il y a des gens, des grands penseurs du sionisme qui ont dit une chose et l'inverse. Mais bizarrement, vous prenez toujours les choses qui ont été dites qui vont dans votre scénario. Le scénario, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le sionisme est un acte politique, est un acte qui est une réaction. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, tu as répondu à rien, donc je vais pas le redire 100 fois. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, que ce sionisme soi-disant hyper raciste, que la perversité, je répète, de Pierre Hillard veut faire connecter sionisme et nazisme, alors que c'était des négociations entre sionisme et nazisme, et c'est même tellement idiot qu'on pourrait aussi dire que finalement le communisme, c'est du nazisme. Et pourquoi? Ah, pas parce qu'il y a eu un accord entre Staline et Hitler. C'est de ce même niveau de bêtise. Mais ça vous arrange. Donc, il n'y a pas de connexion idéologique entre le sionisme et le nazisme. Il y a une négociation. Ça veut dire en gros que toutes ces déformations, ces interprétations des faits historiques incontestables, parce que oui, là, Vara, tu as raison, je crois que ça a concerné peut-être 10 ou 20 000 juifs, c'est déjà pas mal, que Hitler a aidé à partir. Et franchement, excuse-moi de te dire, je préfère qu'il les ait aidés à partir en 1937 plutôt qu'il les ait gazés en 1943. D'accord? Et quand il y a eu le plan de partage, dans cette région, le mandat britannique, qui comprenait aussi la Jordanie, que vous oubliez toujours, on dirait que la Jordanie, c'est un truc. Non, la Jordanie, c'est un truc palestinien.
Le plan de partage et le mandat britannique comprenait la Jordanie. On n'a pas donné la Palestine aux Juifs. On a donné 20% de tout ce mandat britannique aux Juifs. Mais les musulmans ne veulent pas 80%, ils veulent 100%. Et ils font passer les Juifs pour eux, les racistes, qui veulent tout. On est dans un truc inversé. Qu'on essaie de faire coller sionisme et nazisme, alors c'est une escroquerie. Qu'on essaie de faire croire que les Juifs n'ont jamais existé, que ça n'a rien à voir, ils ne doivent pas être là, une escroquerie encore. Je viens de te faire une comparaison, tu n'as toujours pas répondu sur l'islam avec les Espagnols. Ben là, je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a rien à dire. Donc, ce que je veux dire, et je finirai là-dessus, le sionisme aujourd'hui n'a aucune connotation mondialiste. Déjà, je voudrais quand même rappeler qu'à l'heure où on parle, environ 70 ou 80% des médias publics et de gauche, ils sont de gauche et publics souvent, mais même privés et de gauche, sont anti-Israël et pro-palestinien. L'Obs, l'AFP, France Info, France Inter, tout ce que vous voulez, France 2. Donc déjà, essayer de faire croire aux gens qu'Israël est protégé et que les Juifs sont protégés, c'est une escroquerie. Ensuite, et le monde aussi, qui est vraiment à fond anti-Israël. L'immonde, Donc, l'immonde, c'est l'immonde. monde. Alors, je te rappelle encore une fois ce que tu n'as pas, ce à quoi tu n'as pas répondu tout à l'heure, quand tu parles de justice pour la Palestine. Il y a eu un plan de partage. Quand les armées arabes ont attaqué dès le lendemain et ont cassé la résolution 191 de 1948, ils n'ont pas attaqué Israël. Et à l'époque, Israël, ce n'était pas comme maintenant, hein, avec les avions et machin, c'est que des chars contre des. Non, c'était des vraies armées contre une armée en formation. Ils sortaient des camps, les mecs, hein. Ils n'étaient pas genre des chars contre des lance-pierres, comme tu as dit. Bon, bref. Donc, quand ils ont attaqué ces quatre armées arabes, ils n'étaient pas en train de dire, oui, non, mais bon, Israël, c'est un peu trop grand, on voudrait juste un petit peu plus de ci ou de là. Non. C'était pour les exterminer, pour les jeter à la mer. Donc, déjà à la base, quand tu signes un contrat, même dans les affaires, tu signes un contrat avec un partenaire. Tu signes, ok, hop, c'est fini. D'un coup, tu te retournes, le mec qui te rompt le contrat, il te trahit et il t'attaque. Est-ce que tu crois qu'après, il y a un climat de confiance pour lui reproposer le même contrat? Tu te dis, bon, maintenant, je me méfie. Et tant que les gens ne comprennent pas la chronologie de l'affaire, parce que je comprends que ça casse un petit peu le roman des méchants juifs et des gentils arabes. C'est normal, il faut être caricaturaux. Donc, quand on ne reprend pas l'historique de cette affaire, eh bien évidemment qu'on peut avoir une interprétation, machin. Moi, je suis objectif. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est quand même hallucinant qu'ils grattent des territoires, ils font des colonies, ils font des camemberts, etc. Maintenant, quand tu dis ils leur volent leur maison, tout, c'est faux, c'est faux, c'est faux. À la base, Israël, ils ont surpayé les Palestiniens pour qu'ils vendent leur maison et qu'ils partent. Okay? Et puis quand on dit apartheid, il y a 20% d'Arabes israéliens, personne n'en parle. Il y a autant d'Arabes israéliens que de musulmans français ici. Hein? Alors il faut arrêter des conneries. S'ils étaient si apartheid, etc., ils auraient viré tous les Arabes. Ils ont viré personne, c'est ceux qui ont voulu rester, ils sont restés. Alors je finis sur l'influence des. Ce qu'il a dit, Maxime, pourquoi je parle de caricature? Je parle de caricature parce qu'il laisse entendre que l'immigration de masse, inassimilable, en Europe, pas qu'en France, hein, en Europe, elle avantage que certains. Elle avantage donc que les Juifs. C'est Alors qu'elle avantage. l'avantage des puissances d'argent. Voilà. Et les puissances. Mais dans ta tête, le problème, c'est que les puissances d'argent, c'est les Juifs. C'est ça ton problème. Tu J'ai pas dit ne peux. ça. Bah, tu Je dis n'ai certes. pas dit ça. Je dis que Jacques Attali a écrit un livre, Les Juifs, le monde et l'argent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais qu'est-ce que je m'en fous de Jacques Attali? Moi, je te parle de la réalité des choses. La réalité, c'est que cette immigration clandestine, pas clandestine, délirante, elle a plusieurs objectifs. Comme tu l'as souligné, un objectif qui avantage la finance et la main-d'œuvre pas compliquée, on va dire pas exigeante, okay? Mais il y a aussi une idéologie délirante, ça s'appelle le mondialisme, de destruction des nations, de destruction des identités, des valeurs, du spirituel, etc. Et ça n'a rien à voir ni avec le sionisme, ni avec le judaïsme. Le mondialisme n'a pas de religion. C'est bien le problème. Le mondialisme, c'est du transhumanisme, c'est du satanisme, c'est du anti-spirituel. Comment on peut faire un lien entre le judaïsme et le mondialisme? C'est idiot. Donc, ce sont plein de forces. C'est une association hétéroclite à intérêts convergents. Donc, bien sûr que dedans, il y a plein de têtes d'affiche, ils sont juifs. C'est pas qu'ils sont juifs. Ils portent un patronyme juif. Ça, c'est vrai que ce détail-là est important, Walter. Sur ça, Alors, ouais, bon, je. Walter, je vais aller dans ton sens. Et je pense qu'effectivement, on va tomber d'accord.
Je crois, je pense, moi-même, tu vois, je suis gêné de dire juif aussi. Je te le dis comme je le pense. Maximus, tu sais pourquoi moi je suis d'accord avec les arguments de Walter et je te remercie pour avoir dit ça. Parce... Et Walter, je rejoins complètement ce que vous dites. On a pas le droit d'assimiler ces gens-là au véritable peuple juif. Voilà. Alors, je finis ma démonstration. Le problème, c'est qu'ils portent un patronyme juif, d'accord? Mais dans la tête des gens, celui qui porte un patronyme juif, forcément, il bosse pour le judaïsme, pour Israël, pour le Mossad, pour je sais pas quoi. Non, il bosse pour sa gueule, pour son oseille, pour son pouvoir. Je vais prendre un exemple. Bon, je prends toujours cet exemple parce que il est magnifique. Sachant que Mélenchon est franc-maçon, sachant que Mélenchon est anti-chrétien, hein, est-ce que si quelqu'un il analyse, il dit tiens, Mélenchon, elle est du pouvoir, ah, il s'appelle Mélenchon, ah, ben c'est les chrétiens. Personne dira ça. Personne ne fera une assimilation entre l'origine du patronyme de Mélenchon, donc chrétien, on va dire, avec le fait qu'il travaille pour les chrétiens, pour je ne sais pas quoi. Et pourquoi cet amalgame ne se fait que quand ce sont des juifs? Parce que les gens ne repèrent dans leur radar que les juifs. S'ils vont parler de milliardaires, ils vont sortir 5 ou 6 milliardaires juifs. Ils ne savent pas qu'il y a environ 7 ou 8 000 milliards, non, j'exagère, 5 000 milliardaires dans le monde. Donc il y en a peut-être 4 500 qui ne sont pas juifs. Ils n'ont rien à voir. Il y a un Mexicain, il y a des Japonais, il y a des Anglais, etc. Mais les gens, ils ont fixé, ils ont décidé que la finance, c'était pour l'intérêt des Juifs. Donc, s'ils voient deux, trois patronymes juifs qui avantagent l'immigration, etc., ils disent, ben voilà, c'est le plan machin, c'est le plan juif pour la finance et les Juifs, etc. C'est ça le problème. Mais pourquoi on en est là? Et on va un peu mordre sur le sujet suivant. Allons-y. On est là parce qu'on est dans le cadre d'une grande manipulation de binarité, de diviser pour mieux régner. Le système que je peux qualifier... Avant, je prenais pas ce mot, hein, mais plus j'avance dans la connaissance de plein de phénomènes, plus je me dis qu'on est vraiment... c'est du satanisme, il n'y a pas d'autre mot. De la perversité du satanisme, qui enferme les gens dans des enclos en leur désignant à chaque enclos un ennemi bien précis. Alors, le juif, je dis bien le juif, est l'outil, le bouc émissaire et en même temps le bouclier, depuis très longtemps, mais notamment depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vais prendre un exemple. Pour montrer comment ça se passe, un exemple en géopolitique, à l'international, et un exemple en France. Personne ne s'est posé la question, comment se fait-il qu'en Ukraine, un des pays, ou même le pays le plus antisémite d'Europe, qui avait commencé les pogroms avant que les nazis arrivent, d'accord, il y a eu 1 million de juifs ukrainiens qui ont été tués. Alors, à l'époque, là-bas, c'était pas les camps de concentration, c'était une balle dans la nuque. Avec les Einstein-Truppen, il y avait les nazis, mais même avant les nazis, les Ukrainiens éliminaient les juifs. Comment se fait-il qu'il y avait donc 1,5 million de juifs ukrainiens en 1939, on va dire, et qu'aujourd'hui, il y ait 70 000 juifs sur 40 millions en Ukraine? Et comment se fait-il que l'État profond américain a placé un juif président de l'Ukraine, Zelensky? Ou en tout cas, il a un nom, lui fait partie de ces juifs où on leur crache à la gueule parce qu'il a juste le nom de juif. Mais bon, il est présenté comme un juif. Eh bien, c'est pour être le bouclier contre les accusations à venir, qui sont venues déjà, mais elles sont étouffées, de nazisme contre l'Ukraine. Enfin, peuvent pas être nazis, regardez, le président, il est juif. Manipulation de bas étage. Il n'y avait aucune raison de mettre un juif dans un pays antisémite et où, dans lequel il n'y a que 70 000 juifs. Autre chose, la loi Guesso. La loi Guesso a été montée et imaginée, même pas par des juifs, par des gauchistes, enfin, pas des gauchistes, des socialo-progressistes en majorité francs-maçons et des communistes. Réfléchissons 2 minutes. En faisant cette loi, ils ont mis consciemment une cible dans le dos des juifs. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. En faisant passer le message, ah ben regardez, ils ont fait une loi pour les protéger, donc c'est eux qui dirigent. Le juif est intelligent. J'ai énervé tout le monde. Le juif est intelligent. Le Mossad, on les traite de services secrets, ils manipulent tout, ils sont très forts. Et comme des abrutis, ils ont fait un truc pour avoir une cible dans le dos. Les Juifs n'ont jamais demandé cette loi. D'accord ? Donc ça fait partie des éléments sur lesquels basent leur paranoïa les antisémites en disant « Ah, regardez, ils sont protégés. » Pareil pour le CRIF. Est-ce que vous imaginez vraiment que les Juifs, s'ils dirigeaient le président de la France, ils feraient un dîner avec les caméras, et ils prendraient la main, ouais, regardez, je le tiens, mais enfin, réfléchissez 2 minutes. On ne peut pas dire que les Juifs sont très forts, ils manipulent tout, c'est un lobby, machin, et en même temps qu'ils sont tellement idiots qu'ils font fuiter tous les plans. On est là, regardez, on dirige. Donc, c'est une connerie monumentale, et je vais aller plus loin. Il n'y a pas, depuis en tout cas 40 ans,
au moins. Il n'y a pas une seule décision politique ou en géopolitique, enfin politique étrangère ou politique française, qui avantage Israël ou les Juifs depuis 40 ans. Alors si la France était dirigée par les Juifs, je pense que ça ne serait pas le cas. On est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la France depuis 40 ans s'est soumise à l'importance de sa communauté musulmane, et pour ne pas la vexer, elle est devenue, en termes de communication d'État, je parlais des médias d'État tout à l'heure, France Inter, etc., elle est devenue anti-Israël, parce qu'ils se disent il vaut mieux qu'on laisse calme 12 millions de musulmans, les 350 juifs, on s'en fout un peu, quoi. De toute façon, c'est pas eux qui vont aller tout casser. Donc, aujourd'hui, la politique internationale française est plus, largement plus soumise au lobby globalement arabo-musulman, pas arabo, musulman globalement, en plus avec les matières premières, le gaz en Algérie, etc., le pétrole, le Qatar qui rachète la moitié de Paris, mais on nous dira, bah, c'est des sionistes. Macron, qui est allé voir Trump il y a 2 ans pour plaider la cause du mollah iranien, pour le nucléaire iranien. Mais je sais pas si on se rend bien compte de la soumission. L'Iran, Khomeini, la France l'a hébergé pendant 3 ans pendant qu'il était chassé de son pays. Ensuite, il retourne dans son pays, il prend le pouvoir et il organise des attentats en France. Vous imaginez qu'il y a des gens qui pensent que tout ce qui est fait dans le monde, c'est dans l'intérêt d'Israël, un pays grand comme deux Corses, qui n'a même pas de matière première. Et donc tous ces gens, ils travailleraient pour ce pays, même ceux qui ne sont pas juifs et qui représentent 90% de toute la masse, hein, parce qu'il y a le monde entier, il y a l'Inde, il y a la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud, il n'y a pas de juifs là-dedans. Hein. Mais les gens, ils ont ciblé, c'est les juifs. Et Walter, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait dissoudre le CRIF et tous ces organismes? Alors, tu vas être surpris. À l'écriture de mon programme, qui a été fait en 2017, tu vois, c'est vieux quand même. Eh bien, déjà, je supprimais évidemment ce dîner du CRIF, là où le président s'afficher comme ça avec des autorités religieuses. Donc, je supprimais ça. Mais je supprimais aussi toutes les associations antiracistes et communautaristes. Ah ben on est d'accord. Et pourquoi je fais ça? Pas que pour les juifs, hein. Pour tout, hein. D'ailleurs, le CCIF, il a été dissous entre-temps, mais le CCIF, SOS Racisme, la LICRA, toutes ces merdes qui ont été créées, mises en place par les socialistes et qui, soi-disant, au départ, luttaient contre le racisme et, au contraire, ont créé des racistes. Pourquoi? Ils ont créé des racistes par exaspération. Parce que chaque association, que ce soit pour défendre les juifs ou les noirs ou les arabes ou quoi que ce soit, pour avoir des os à ronger, ils traitaient de racistes tout le monde. Je te rappelle qu'il n'y a pas que les juifs qui sont un peu genre, ouais, vous êtes tous antisémites. Il y a aussi, imaginons, rappelons-nous Griezmann, il se déguise en basketteur américain à Harlem Globetrotters, on le Ouais, traite je me de raciste. souviens de ça. Bon, c'est un exemple. Donc, à force, les gens se disent, mais attends, ça suit, on ne peut plus rien dire maintenant. Dès qu'on dit un truc, on est raciste. Ce que tu disais tout à l'heure, Maximus, sur les juifs, mais c'est pareil pour les arabes ou pour les noirs. Tu te rends compte que c'est comme si on jugeait une communauté sur dire de Ben Laden, ou je sais pas, ou de n'importe quel extrémiste musulman, ou Ah, mais n'importe. alors attention, je précise hein, pour rejoindre ce que Maximus a dit et en rapport avec ses propos-là. Ces propos-là, on n'engage que lui. Hein. Oui, mais on est d'accord. Ah oui, il faut pas essentialiser, hein. Ah oui, non, mais ça, c'est clair et net. Le problème, c'est que cette D'ailleurs, je vidéo, l'ai appelé au débat, il ne m'a pas répondu, donc. est instrumentalisée et passe en boucle dans tous les milieux. Et mes quatre, toi, d'accord, Maximus, d'accord, ben moi, évidemment aussi. Mais 80% des gens qui vont pas trop fouiller le machin, ils disent, putain, les juifs, ils prennent ça comme argent comptant. Ces mêmes mecs qui diffusent ce truc-là pour dire, regardez les juifs ce qu'ils veulent faire. Imaginons que ce soit musulman et on leur passe des trucs de certains imams. Ils disent, ouais, regardez, ils veulent faire de l'amalgame et tout. Là, ils vont se lever pour l'amalgame. Ils l'utilisent, je parle pas de toi, je parle en général. Bien Ils sûr. l'utilisent pour dire, regardez le plan des juifs. Donc, tout ça, c'est dégueulasse. Parce que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe en ce moment dans le monde, on a la fin, je pense qu'on est à la fin de quelque chose. Hein. Ah oui, mais ça c'est clair. Je sais pas exactement quelle gueule il aura le Messie, s'il sera juif, musulman ou Jésus en personne, mais il va se passer un truc, parce que là, on arrive à la fin d'un système, là. C'est en train d'exploser de partout, quoi. Donc, je crois que c'est pas le moment de se prendre la tête, alors qu'au fond, quand on réfléchit, les On a le musulmans. même ennemi. Hein? On a le Comment? même ennemi normalement. Non, mais j'allais dire mieux que ça, on a le même Dieu. Bon, qu'on le veuille ou non, hein? Ça, Bon. de toute Bien façon, sûr. c'est une évidence en tant que Bon, croyant. tu disais, Maxius, pourquoi les juifs partout où ils vont, etc., machin, ça doit bien être de leur faute. Alors, je vais te répondre à ça, c'est très important.
L'antisémitisme, son histoire et ses causes se trouvent dans le peuple juif. C'est lui-même qui le dit, et il est juif aussi. D'accord. Moi, il dit ce qu'il veut, je ne sais pas qui c'est, je m'en fous, moi je vais te dire ce que je dis moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Partons de Jésus. Ce qui a été la première cause d'antisémitisme, c'est les juifs ont tué Jésus, le peuple déicide. Ok. Mais personne ne s'est posé la question, en se mettant dans les conditions de l'époque, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors moi, je n'y étais pas, mais je parle avec des gens qui sont d'une culture extrême, et qui ne sont pas juifs d'ailleurs, pour tout dire, et j'ai compris le scénario. Et je vais vous le donner. On a des autorités hébraïques de l'époque qui voient arriver un petit jeune, hein, je schématise, hein, avec du charisme, avec certains dons, qui arrive à emmener les foules. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, celui-là, il va mettre en danger notre autorité religieuse. D'accord? Je parle de Jésus. Et quand Jésus dit « Je suis le Messie », pourquoi les Juifs ils n'ont pas cru que c'était le Messie? Parce que dans l'inconscient juif, on va dire, le Messie devait être un combattant. Comme Mahomet. Le Messie devait les libérer du joug des Romains. Donc ils ont dit, mais attends, comment celui-là? Il dit qu'il est le Messie alors qu'il tend l'autre joue, il la paix, machin, laisse tomber, c'est pas le Messie. Mais la suite, c'est quoi? On veut faire croire aux gens que ce sont les Juifs qui ont vendu Jésus aux Romains. Mais c'est une histoire qui a été frelatée parce que les Romains, mettons-nous dans la situation, on est dans une ville dominée par les Romains, etc. Est-ce qu'ils avaient besoin des Juifs pour attraper Jésus? Alors qu'ils se baladaient avec des fidèles, etc. Machin. Non, les Juifs, ça les arrangeait que les Romains se débarrassent de Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas avoir un type qui remette en cause leur pouvoir. Et les Romains, ça les arrangeait de se débarrasser de Jésus, parce qu'ils ont compris que ce mec-là pouvait devenir un dissident politique. Mais ceux qui l'ont tué, ce n'est pas les Juifs, c'est les Romains. 400 ans plus tard, comme par hasard, on réécrit l'histoire, 390, comme par hasard, les Romains... tu te dis, bon, finalement, ça serait plus intelligent de nous convertir tous à la chrétienté, au christianisme, puisqu'on voit que partout, ça plaît aux gens, etc. Et ils mettent la capitale à Rome, hein, alors que Jésus, il n'a rien à voir avec Rome, hein, il n'a jamais mis les pieds. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès lors, le Vatican, Rome, est devenu la voix des mondialistes de l'époque, c'est-à-dire les Romains, comme aujourd'hui, depuis déjà 50 ans, le Vatican d'aujourd'hui est la voie du mondialisme. Les gens n'ont pas compris que le Vatican, en tout cas l'Église catholique, a instrumentalisé non seulement la parole de Jésus en faisant croire que Jésus, quelque part, alors qu'il est juif, il aurait voulu qu'on massacre son peuple pour le venger, alors que si on réfléchit bien, là ça va loin dans ce que je vais dire, Jésus, on ne peut pas croire que Jésus... c'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu lui-même, et en même temps se dire que les événements, il les a subis. C'était son parcours d'être crucifié. Peu importe que ce soit les Juifs ou les Romains, c'était son parcours. Parce que si ce n'était pas son parcours et qu'il ne maîtrise pas toutes les étapes et de son retour bientôt, ça ne peut pas être un Dieu. Donc c'est contradictoire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le résumé de l'histoire qui fait des Juifs un peuple déicide et qui n'explique pas pourquoi les Juifs n'ont pas cru à Jésus, et qui finalement les décrivent comme des méchants qui ont tué Jésus, eh bien c'est une façon de cibler et de monter un ennemi. Je vais dire encore une dernière chose là-dessus, et là je passe la question à Ziad. Imaginons que Mahomet, il ait été contemporain de Jésus. Imaginons. Eh bien moi je vais te dire, Mahomet, il aurait fait disparaître Jésus. Oula. Parce que ça aurait été un concurrent. Et c'est pas parce que l'islam est méchant ou l'autre est gentil oula, ou pas. Oula. Alors attends, tu sais, Walter, tu pardon, vous savez. Non mais Walter, je vais vous répondre, c'est très simple. Il y a un hadith, bah justement, un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, qui dit, moi et Issa chez nous Jésus, nous sommes comme ça, nous sommes frères. Oui, attends, Ziad, tu peux pas, non, vous pouvez pas venir ici me dire ça, c'est pas possible. Attends, là, vous, non, bah non. Écoute bien ce que j'ai dit. C'est très facile de dire nous sommes frères avec 600 ans d'écart. Ah, il n'y a pas 600 ans d'écart. Ah bon, il n'y a pas 600 ans d'écart. 600 ans, ça fait quoi? Si quelqu'un peut me donner les références dans le chat, Malik ou Utopie. Non, il n'y a pas 600 ans d'écart entre Mohammed et Aïssa al-Salam et Aïssa al-Salam. Non, ça n'existe pas, ça. Il y a quelques années, mais il n'y a pas un écart immense. En tout cas, non. Mahomet, c'est 600. Il y a 600 ans, point barre. D'accord. Je vous laisse terminer là, encore vraiment quelques petites minutes, et après, oui. On va passer à l'autre sujet. Donc, je finis là-dessus.
Je parle que quand je parle toujours, moi, c'est mon truc de base. Juger, c'est comparer. Alors, Et beaucoup. 632 ans. 632 ans. Voilà, c'est vrai, vous avez raison. Ben, Je mets à évidemment. culpa. Voilà. Grave. Donc, ça veut dire que s'ils avaient été contemporains, ils auraient été concurrents. Mais ça ne veut pas dire que Mohamed, elle est méchant ou quoi. Ça veut dire que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a de la concurrence. Donc, 600 ans plus tard, pour se mettre les chrétiens avec lui, dire oui, moi, Jésus, je l'adore, c'est très facile. Mais dans le feu de l'action, à la même époque, ils auraient été concurrents. Et peut-être que finalement, s'ils étaient contemporains, ça aurait été les musulmans qui auraient tué Jésus en disant, ah, les musulmans, ils sont méchants. Donc, ça tient à rien, la manipulation de l'histoire. Il faut se poser la question chronologiquement et se faire les suppositions. C'est parce que c'est encore une histoire de caste. Je vais faire un petit parallèle, un dernier parallèle. Ouais, rapidement, comme ça on avance. Très rapidement. Quand je te parle des autorités hébraïques, là, les vieux sages juifs, etc., ils voient ce mec-là arriver. Même ces gens qui sont soi-disant bon, religieux, qui ont des valeurs, admettons, ils sont aussi des humains, ils ont aussi des trucs de jalousie, des trucs d'opportunisme, des trucs d'ambition. Donc ce mec-là, il les a inquiétés. Comme moi, j'inquiète le petit microcosme politique. Ça, c'est une comparaison. Quand on voit un type qui sort de nulle part, qui vient comme ça, machin, et qui n'est pas dans la caste, eh bien, on essaie de s'en débarrasser, c'est plus tranquille. Et les Romains avaient aussi intérêt. En fait, Jésus avait quelque part un côté dissident politique. Les Romains ont bien compris que ce mec-là, il pouvait peut-être regrouper les gens et faire péter les Romains. Mais personne ne se pose ces questions. On analyse l'histoire 2000 ans plus tard avec des caricatures. Ah, les Juifs sont méchants, ils ont tué Jésus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je répète que si Jérusalem, à l'époque, c'était les musulmans avec Mahomet qui était en tête de gondole, ils auraient vu arriver Sylvain, ils auraient dit, celui-là, envoyez-le chez les Romains, qu'il ne nous fasse pas de l'ombre. Voilà. Une phrase, j'en ai parlé tout à l'heure, l'État profond américain a placé un juif, comme par hasard, pour le bouclier des accusations de nazisme. J'en ai parlé, donc là, je suis d'accord avec toi. Ça Ah, étaye ça ma fait crédibilité. plaisir. Mais t'as pas entendu, j'en ai parlé au tout début. J'ai commencé par ça, je crois d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens Oui, moi. oui. Oui, Bon, c'est vrai. donc maintenant pour les questions. Mais toi, en termes de politique étrangère, Israël, je suis persuadé que Netanyahou, même si vous le détestez ici, il sait très bien, il est au courant de cette manœuvre. Et je pense que Netanyahou, il doit lui cracher à la gueule à Zelensky. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est On qu'il le est. sait pas, ça. Attends, je finis. Il est entre le marteau et l'enclume. C'est qu'il y a plein de juifs. Moi, j'ai quand même des gens qui sont en Israël, hein, donc, qui détestent Zelensky. Il voit bien que c'est un psychopathe. Il voit bien qu'il a rien de juif, qu'il instrumentalise son nom juif justement. Mais ils peuvent pas être contre l'Ukraine parce qu'ils sont obligés de suivre les États-Unis. Ils sont quand même comme des petits chiens, les États-Unis, Israël. Ils sont dépendants. Si maintenant c'était les États-Unis de Trump, jamais il y aurait eu cette guerre d'Ukraine déjà. Faut quand même le savoir. Et là, ils auraient pu être plus libres parce que Trump, il est quand même intelligent. Il n'aurait pas fait cette sale manœuvre que comme il a fait Biden avec l'OTAN pour pousser Poutine à cette histoire. Donc, ne reproche pas à Israël de soutenir l'Ukraine. Ils soutiennent parce qu'ils sont obligés de se soumettre aux États-Unis et à tout ce lobby OTAN, machin, etc. Mais je pense que les Juifs ne sont pas dupes, hein, les Israéliens ne sont pas dupes de ce placement-là. Walter. Ben, le problème, c'est que l'islamisation, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. En fait, qu'est-ce qu'on va dire? Ce qui change un pays, c'est le nombre d'une communauté, c'est-à-dire l'importance d'une communauté dans ce dit pays. Ce qui change une population, ben quelque part on peut appeler ça le grand remplacement ou comme vous voulez, c'est que le fait que la population en France en 40 ans a complètement changé. Et là, ça dépasse l'islam, parce que ce n'est pas que des musulmans. Hein. Ah oui, non, mais là, sur le flux migratoire, on est complètement d'accord. Bon, voilà. On a aujourd'hui 35% des naissances qui sont extra-européennes en France. On est d'accord. Sur ces 35%, il y a 80% qui sont musulmans. On est Donc, d'accord aussi. on comprend bien qu'au-delà de l'islamisation, je ne sais pas comment on peut dire, il est évident que sur cette ligne, eh bien, mathématiquement, alors ceux qui contestent ça, bah, ils ont qu'à juste réviser les mathématiques et les courbes, etc. Mathématiquement, si on va sur la même lancée, eh bien, en 2000, on est quoi, 2000, en 2060, il y aura 50% de musulmans en France. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il y a 50% de musulmans en France, la France devient islamisée? Allez, là, la question, voilà. Voilà. La République française, oui, mais pas la France. Oui, ouais, on ne va pas jouer sur les mots. Là, ce que voient les gens. Donc, la réponse, elle est toute simple. Regardez le Liban. Le Liban, jusqu'en 1945, il y avait 70% de chrétiens et 30% de musulmans. Ensuite, les Palestiniens qui sont partis d'Israël, justement, il y en a plein qui sont allés en Jordanie.
En Jordanie, ils se sont fait massacrer. C'est marrant parce que là, personne n'en parle. Hein. Septembre noir, 2000 femmes et Mais bon, enfants. ça, c'est un autre sujet, Walter. Ouais. Et ensuite, beaucoup sont partis au Liban. Et au Liban, au bout de 10 ans, ils ont commencé à devenir majoritaires. Bon, il y a eu les guerres civiles, etc., dans les fins des années 70. Et aujourd'hui, le Liban, c'est 70, 65-70% musulmans, 35-40% chrétiens. Et qui est aux commandes? Des musulmans et le Hezbollah par derrière. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui fait l'histoire, c'est la démographie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si on fait une photo de la France 1960 et une photo de la France 2022, pas qu'une photo genre de l'environnement, une photo du langage, des comiques. Aujourd'hui, 80% des comiques sont de la diversité. Il n'y a plus de comiques genre oui, bonjour, Jean-François Martin, je suis comique. Non. Jamel Comédie, machin, les cités, wesh mon frère, machin. Donc si on fait une photo, on s'aperçoit que bien sûr que la France change complètement de visage. Si ensuite si on nous dit ensuite l'immigration n'a aucun lien avec l'insécurité, l'ensauvagement. Aussi bien au niveau de la culture, du showbiz, de la musique. Alors bien sûr que le rap, c'est pas musulman, le rap, c'est américain. Mais enfin, tu des cités, machin, etc. Et c'est de la merde, hein, précisons-le. Oui, en plus, c'est de la merde. Bon, ça, on est d'accord. Donc, on voit l'éducation nationale. On a quand même l'éducation nationale. Aujourd'hui, il y a des sujets que les profs ont peur d'aborder, dus à des menaces, dus à certains attentats, dus à des pressions. Donc, ça change même l'éducation nationale. La justice. 70% des détenus sont musulmans. 25% sont étrangers. Et encore, il manque beaucoup de place, parce que, bon, évidemment, qu'il y a beaucoup de dangers publics qui sont dehors. Quand tu as la justice. Alors, pareil, je vais te faire une petite essentialisation. Allons-y. Si Sarah Halimi s'appelait Rachida Ben je sais pas quoi, qu'elle se serait une vieille, hein, elle se serait fait massacrer par un juif au nom de Moïse et grand, etc. Il l'aurait massacré, il l'aurait jeté dans l'Ain. Je peux vous garantir, les enfants, que jamais la justice l'aurait dit non, non, c'est bon, il est responsable parce qu'il a fumé du shit. Parce que s'ils avaient fait ça, la France a feu et à sang et tous les juifs qui passent dans la rue, c'est pris une tannée. Est-ce que la communauté musulmane a de l'influence dans les niveaux que je viens de dire et de plus en plus en France? Eh bien oui, c'est incontestable. Ça ne veut pas dire que c'est très grave, qu'il faut regarder les civilisations, ça ne veut pas dire ce que vous voulez. C'est un constat. Nier cette évidence, c'est de l'aveuglement. Et parler en parallèle d'une France sioniste, alors que depuis 2 heures et demie, j'ai demandé un seul exemple, il n'y en a toujours pas eu un seul, d'influence des Juifs et d'Israël et tout en France, il y a zéro, il y a juste un fantasme, un dîner du CRIF ou je sais pas quoi, eh bien, c'est un déni. C'est une évidence que si maintenant, et là on sort un peu du sujet, mais si maintenant on n'arrive pas à reprendre le dessus sur ces malades mentaux d'immigrationnistes qui nous dirigent et faire un stop, parce qu'on ne peut plus. Et ce n'est pas un problème de musulmans ou pas musulmans, c'est un problème de nombre. On ne peut plus se dire que la France est devenue venez tous, pas de problème, on s'occupe de vous. Il y a aujourd'hui des retraités qui gagnent un petit peu plus que des migrants qui arrivent, qui nous crachent à la gueule qu'on nourrit, qu'on loge. On n'est pas l'armée du salut, on est un pays maintenant où il y a 15% de pauvres. Donc c'est pas, ça dépasse largement l'histoire de musulmans, islam ou quoi. C'est qu'il faut dire stop. Mais on ne pourra pas le faire tant qu'on aura ces mondialistes qui font tout pour noyer ces pays européens sous l'immigration. Je vous rappelle juste pour finir, en Écosse, il faut quand même le faire, hein, en Écosse, les deux chefs des deux plus grands partis politiques écossais, c'est deux Pakistanais. Le premier ministre du Royaume-Uni, c'est un Indien, d'ailleurs super milliardaire, hein, il n'est pas juif. Donc c'est-à-dire que tout est fait pour que les nations européennes chrétiennes. D'accord? Et c'est pas le rabbin Twitou qui gère tout ça. Hein. Lui, il peut interpréter pour dire oui, nous on est forts, les Juifs on gère tout, parce que lui, il est complètement, c'est un mythomane, le mec. Mais la vérité, c'est que tout est fait pour casser les nations et les identités chrétiennes européennes. Que ce soit par les musulmans de nos anciennes colonies ici en France et les anciennes colonies, notamment le Pakistan, pour les Anglais. Comme une revanche de l'histoire financée par des satanistes qui sont eux-mêmes pas du tout de ces communautés, parce qu'ils sont pas tellement musulmans. Il a raison là-dessus, Maximus. Dans ces satanistes, il n'y a pas tellement de musulmans, hein, dans cette caste de malades-là. Je voulais te couper là, c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Juste là, sinon je vais oublier. C'est Simone Veil, il me semble, et puis Attends, Maximus, je suis désolé, je suis obligé de te couper parce que là, tu es pile dedans dans la caricature où je rigole quand j'entends des conneries pareilles. Et ça rejoint un peu les francs-maçons dont on parlera tout à l'heure. donc Madame Veil n'avait pas d'influence. Je peux finir une phrase?
Bon. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Qu'on mettait toujours un bouc émissaire et un juif en avant pour les saloperies. Ils ont mis Badinter pour la peine de mort. Les gens sont tellement fixés sur les juifs qu'ils ont oublié que toutes les lois et l'avortement, c'est pareil. Elles sont votées ensuite par 577 députés, dont 2% étaient juifs. 2%. Ça veut dire que les gens, tellement ils veulent se déresponsabiliser et dire que c'est les juifs, comme c'est Sveil et juif, était juif, et Badinter est juif, ou je crois qu'il est mort, je ne sais plus. Ah, ben ce sont les juifs. T'imagines la bêtise? J'étais certain que tu allais la sortir, celle-là. Ah ben oui, c'est Veil, donc c'est les juifs. Mais enfin, franchement, essaye, Maximus, de ne pas tomber dans les caricatures. Mais est-ce que tu sais la différence entre une ministre qui porte une loi et comment est ratifiée la loi? Mais ce n'est pas possible d'entendre des bêtises pareilles. C'est pas si et la loi Fabius Guesso? Mais c'est la loi Guesso, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de la bêtise. Je viens de t'expliquer en détail qu'on mettait un juif porter une loi, mais qu'elle était votée ensuite par 577 députés. Et tu me dis, ah ben c'est les juifs, regarde, c'est Simone Veil. Alors essaie de réfléchir 2 minutes. Je te dis qu'ils mettent des juifs pour porter les lois les plus. La loi Guesso, j'en ai parlé tout à l'heure, si tu t'en souviens. Non, mais ça, je te crois, hein, il n'y a pas de souci, Walter, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est qu'une loi, elle est votée par les députés. Elle n'est pas décidée par une ministre, parce qu'elle est juive. Ah, c'est bon, j'impose l'avortement. Giscard d'Estaing n'était pas juif. Mitterrand n'était pas juif. Mais vous tombez dans tous les pièges, quoi. Les francs-maçons vous mettent un petit juif comme ça. Ah, ben c'est les juifs, regardez, c'est Simone Veil. Mais qu'est-ce que Simone Veil allait avoir dans l'histoire? Elle a défendu le truc parce qu'elle était un peu féministe, je ne sais pas quoi. Mais derrière, ce n'est pas elle qui a voté. Hein. Elle n'a même pas voté, d'ailleurs, elle était ministre. C'est les 577 députés. Alors, si on ne connaît pas comment ça se passe et qu'on tombe dans le piège du juif qu'on met en avant, je comprends, avec tous ces éléments, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, mis bout à bout, évidemment, la France, c'est le CRIF qui dirige, les lois, c'est les juifs qui les font, et après, on dit, ah bah oui, c'est les juifs qui dirigent tout. Mais c'est idiot comme raisonnement, parce que chaque fois, je viens de te le démonter un par un. Maximus, le problème que tu as, c'est que tu affirmes avec un ton très sûr de toi des aberrations totales. Mais je comprends que ton public avale tout sans mâcher. Le Bnei Brit, c'est-à-dire c'est la partie juive des francs-maçons, n'a pas le pouvoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors les amis, vous savez ce que je vous propose? Vous savez ce que je vous propose? On va passer sur l'autre sujet. Voilà, sur le dernier sujet de la franc-maçonnerie. Mais si Walter veut, il peut se faire une petite verveine, il n'y a aucun problème. On peut... Maximus, si tu veux jouer à ce genre de jeu, je te dirais que c'est la première fois que je fais un tête-à-tête avec un mec qui ne met pas sa tête. Mais si tu me branches sur la verveine, tu vois, je peux te brancher sur le fait de te cacher dans un débat. C'est-à-dire c'est la franc-maçonnerie qui fout principalement la merde dans les institutions de l'État, ou est-ce que c'est juste une infime minorité de gens et on fantasme sur eux? Alors, pour moi, la franc-maçonnerie, en fait, ça fait partie des... Quand je parlais tout à l'heure d'associations, de lobbies, de castes, de loges hétéroclites à intérêts convergents, hein, c'est un peu long comme truc, la franc-maçonnerie en fait partie. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'Église, comme j'en ai parlé au tout début, il y a cette notion de transhumanisme, de destruction des valeurs, du spirituel, etc. Et la franc-maçonnerie, c'est le drapeau, le porte-drapeau de cette idéologie anti-Dieu, finalement. La franc-maçonnerie, bien sûr, a été l'opérateur numéro un de la Révolution et a d'abord cassé la monarchie et ensuite a cassé l'Église, ou on va dire le spirituel avec la loi de 1905. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, je te dis ça à toi, Ziad, sur ma chaîne, j'ai un message à Sérignac. Je sais pas si je ne l'ai pas vu, vous me l'enverrez? Ouais, je t'enverrai. Ouais. Je m'adresse à Sérignac, bon, moi personne ne me répond, je suis un inconnu. Mais je lui pose 3 questions auxquelles il ne pourrait pas répondre, il serait mis à poil en public. Je suis arrivé à prouver avec ses propres mots la perversité de la franc-maçonnerie. Puisque le combat principal de la franc-maçonnerie, assumé par eux-mêmes, c'est le combat pour la laïcité. Pour la laïcité, hein, je dis bien. Bon, je vais pas faire un commentaire de texte, mais aujourd'hui, qu'on s'aperçoit de quoi? Il y a entre 20 et 25% de politiciens qui sont francs-maçons. Il y a entre 20 et 25%, voire plus, de magistrats dans la justice, etc., qui sont francs-maçons. Ça oui, ouais, la magistrature, oui. Les syndicats sont infiltrés. L'éducation nationale est infiltrée. Oui, l'éducation nationale. Toute la frange, affairiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas chez les francs-maçons pour l'idéologie, ils sont chez les francs-maçons pour pour les réseaux. Le réseautage. Eh ben, il faut préciser... Pour appuyer vos propos, Walter, il faut préciser qu'il y a des loges pour les sportifs, il y a des loges pour les financiers, il y a des loges pour les... Il y a énormément de footballeurs que beaucoup adulent, hein. On ne va pas donner les noms pour éviter de se manger un procès.
qui sont dans des loges et qui, voire même, ont pignon sur rue dans ces loges-là. Je vais faire une petite parenthèse. Allons-y. Sur quoi jouent les mondialistes, qui sont vraiment très intelligents, pour aller recruter des outils zélés, des outils d'influence? Ils jouent sur l'ego des gens. Tu es un footballeur, ou tu es un musicien, ou tu es dans un milieu où tu commences un peu à réussir. On te contacte pour te dire, tiens, tu pourrais venir là, dans un milieu là, le franc-maçon. Le mec, il est flatté. Comme ils ont fait pour les politiciens avec Bilderberg. C'est la même méthode. Ou les young leaders, China ou même America. Donc, on flatte les gens en les faisant venir dans un club, on les a en main, on les fabrique, on les monte, et ensuite, ils sont à votre service. Et les Bilderberg, c'est un peu la franc-maçonnerie à l'échelle mondiale, au niveau des affaires, du placement produit des chefs d'État. Donc, pour revenir sur la franc-maçonnerie, on a aujourd'hui une influence qui est hallucinante, qui est honteuse, et c'est un sujet qui est tabou, parce que moi, je suis le seul sur Twitter à défoncer les trucs en disant des choses que personne n'ose dire. Et ça, quand c'est vrai, je le confirme. Et quand je poste des trucs comme ça, les mecs avec qui je parle en privé, ils sont tous d'accord avec moi, mais personne n'ose même retweeter, ils sont tétanisés. Alors que les mecs sont sous pseudo, je dis, les gars, vous êtes sous pseudo, vous avez peur de quoi? Moi, je suis face cam, j'ai peur de personne. Bon, tout ça pour dire que la franc-maçonnerie, pour moi, il n'y a aucune différence avec une secte, point et barre, puisqu'ils avouent eux-mêmes qu'ils veulent réformer la pensée. Qu'est-ce qu'elle fait, une secte? Elle réforme et elle formate la pensée des gens. Moi, par exemple, dans mon programme, il était évident, c'était écrit noir sur blanc, qu'il n'est pas question une seconde que les francs-maçons occupent des postes de pouvoir, premièrement. Deuxièmement, je demandais à Sérignac, pourquoi ne pas faire une liste officielle consultable par le public de tous les francs-maçons de France. Il y en a qui assument, il y en a plein qui le cachent. Et au moins, les Français s'apercevraient, comprendraient l'influence en voyant le nom des gens et des postes que ces gens occupent. Le PNF, la HATV, tous les trucs constitutionnels, il y en a au moins trois qui sont francs-maçons, ils sont partout. Donc, quand on dit qu'ils sont partout pour les Juifs, moi, je suis mort de rire, parce que la vraie communauté organisée, ce sont les francs-maçons. Et dans les francs-maçons, il y a évidemment plein de Juifs. Mais ces Juifs-là, j'en parlais avec Nathalie, je parle tout seul avec Nathalie, en monologue, ces Juifs-là, chez les francs-maçons, ils en ont rien à foutre du transhumanisme, machin. Ils sont là pour le business. J'ai même fait un témoignage pour ma vie, où je me suis volé une affaire au tribunal de commerce de Paris par un franc-maçon juif. Lui, il n'a rien à foutre du transhumanisme, de machin, etc. Lui, c'était pour avoir ses copains au tribunal qui lui donnent les affaires et qui volent tous les honnêtes gens comme moi. Donc, les Juifs qui sont là-dedans, ils ne sont pas là du tout pour le côté idéologique. Eux, ils font du business, et tout en haut, ce n'est pas tous les francs-maçons, parce que les francs-maçons, ils sont au courant de rien. Mais à partir d'un certain degré, les mecs manipulent tout. Ils ont la France dans la main et ils sont tellement puissants qu'il n'y a aucun homme politique. Je disais à Zemmour, tu joues au non-politicien, tu n'as pas osé parler de la Covid, de l'escroquerie, tu n'as pas osé parler de l'Ukraine, tu n'as pas osé parler de Trump, ou le vol de l'élection, je crois que les gros sujets, et tu n'as jamais parlé de l'influence des francs-maçons. Pourquoi ? Tous ces gens-là, même quand ils jouent au non-politicien, ils évitent les sujets tabous. Se mettre à dos la franc-maçonnerie, c'est suicidaire pour une carrière politique. Rien que de dire ça, on comprend l'influence. Et c'est pas se mettre à dos les Juifs ou quoi, c'est la franc-maçonnerie, c'est bien au-delà. Je vais juste finir là-dessus. La franc-maçonnerie est née en Angleterre, d'accord ? Est née en Angleterre et elle regroupait au départ que des gens d'un très haut niveau social, culturel, intelligent, financier, etc. Donc, et ces gens-là, donc, qui étaient au départ, c'était l'élite. Bon, en Angleterre, c'est pas forcément des Juifs, comme vous le savez, mais bon, c'était l'élite en Écosse en plus. L'Écosse qui, aujourd'hui, je rappelle, a deux Pakistanais qui sont les chefs des partis politiques. C'est un truc de fou. Eh bien, comment on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les antisémites maladifs qui disent la judéo-maçonnerie. C'est-à-dire que comment on peut imaginer que des Juifs, qui étaient ultra-minoritaires, aient intégré ces organismes, et en étant ultra-minoritaires, aient finalement mis tout le monde au pas. Donc, alors, ce ne sont pas des gens manipulables. C'était que des gens de la haute, des lords, des machins, la cour d'Angleterre, etc. Donc, c'est donner des pouvoirs aux Juifs surnaturels. Alors, je comprends, quand on a un ennemi, on veut le fantasmer. Donc, cette histoire de judéo-maçonnerie, c'est une connerie. Il y a effectivement une aile juive, si j'ose dire, de la franc-maçonnerie, le Blittenbreit, hein, mais ça n'a rien. Ça n'a rien. J'arrive même pas à le dire. Comment ça se dit ? Bnaibrit. Voilà, Bnaibrit. Moi, j'ai fait le contraire, Blittenbreit. Ultra-bright, je ne sais pas quoi. Mais ça n'a rien à voir avec l'idéologie, là.
On est dans le business pur et dur. C'est comme le Lions Club ou l'autre, ou les. C'est quoi le deuxième truc? Le Lions, c'est le Rotary. C'est des petites loges de petits machins qui font les feux, etc. Donc, parler de judéo-maçonnerie, c'est une connerie. Quand on voit l'histoire, quand on voit où c'est né, quels étaient les gens, etc. Et pour finir, quel intérêt auraient des juifs, mais dans le sens religieux du terme, à se mettre dans un truc qui est anti-religion complet, anti-dieu? Ça ne peut pas être des juifs, ce sont des gens qui ont des patronymes juifs. Je reviens à ce que je disais au début. Pour venir là-dessus, la franc-maçonnerie aujourd'hui, et pour moi, c'est le cancer de la France, mais pas que. Pas que, il n'y a pas que de la France, je veux dire. Donc, c'est une république à l'intérieur de la république, c'est un contre-pouvoir, c'est un cercle d'influence, et tout le monde se tait. Parce que, dans plein de milieux, on sait le pouvoir des francs-maçons. Hein. Donc, quand on a ça, et qu'on nous dit qu'on est en démocratie, quand on a ça, un contre-pouvoir de gens qui sont non élus et qui dirigent tout, notamment dans la justice, c'est flagrant, qui mettent là l'idéologie justement progressiste, socialo-progressiste, etc., immigrationniste justement, on comprend où est le cancer de la France. Hein. Et pour revenir sur la loi Guesso, pour finir avec Maximus qui disait tout à l'heure, j'en ai parlé au début, la loi Guesso a été faite par Guesso, Fabius, bon Fabius, faut savoir qu'il est baptisé, hein, mais bon, il sera quand même juif puisqu'il a un nom juif, mais il a été élevé dans une culture catholique depuis sa plus tendre enfance, hein, voilà, bon, bref, on s'en fout. Mais bon, on va dire qu'il est juif, bon, ça vous arrange. Néanmoins, Guesso était un communiste. Mitterrand... Moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais je parle pour Maximus, parce qu'il va toujours... Il a bien trouvé Fabius Guesso. Donc, c'est la loi Guesso, en fait. Hein, bon. Donc, ça veut dire c'est une loi Guesso. Non, ça s'appelle la loi Guesso. Il n'y a que Forisson qui a rajouté Fabius pour dire que c'est les Juifs. Et Forisson, il est tellement idiot qu'il a dit une phrase célèbre. Fabius est riche, juif, donc cette loi est une loi socialo-capitaliste judéo-maçonnique. Voilà. On est dans un truc de fou. Maximus, si tu as entendu le débat, je le dis trois fois, je suis contre cette loi Guesso. Parce qu'elle oui, d'accord. Moi, je suis pour que les gens, ils aient le droit de dire ce qu'ils veulent, même s'ils sont complètement tarés à aller douter de choses qui sont documentées, avec des témoins, avec des images, avec des aveux, mais comme c'est des juifs, on n'y croit pas. Par contre, ils vont pas douter de la traite négrière, ils vont pas douter de Napoléon, ils vont pas douter de rien, sauf quand il y a des images et des preuves, parce que c'est des juifs. Donc, si Forisson, il est tombé sur la tête en pensant que tout ça, c'est une manipulation, que les cadavres, c'était des acteurs, que tout le monde a participé, les Américains, les Russes, tout ça, pour le bénéfice d'un petit pays grand comme la Corse, qu'il aille se soigner, moi, ça me dérange pas qu'il raconte n'importe quoi. Donc, je suis contre cette loi Guesso, parce que ça donne de l'importance à des tarés en disant, ah, regardez, on m'empêche de parler, donc ce que je dis, ça doit être vrai. Et c'est fait pour, c'est ça la perversité de cette loi. C'est que les gens sont tellement, excusez-moi, des fois abrutis, que si on empêche quelqu'un de parler, c'est que forcément ce qu'il dit, c'est vrai. Non, cette loi, elle est faite pour cibler les juifs. C'est exactement le contraire de son objectif soi-disant avoué. C'est de la perversité. Donc tous les gens pensent que c'est les juifs, alors qu'en fait derrière, c'est les francs-maçons. Voilà, si je peux résumer. La manipulation, c'est de faire croire aux gens que le juif est EST, le système. Et ce que tu as dit, c'est exceptionnel parce que ça, ils ont eu l'effet escompté. J'ai dénoncé Reichstag Tristan Mendes. Pourquoi ? Parce que il participe. Parce que vous êtes instrumentalisé en le sachant ou sans le savoir. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils participent au fait de mélanger l'anticomplotisme avec l'antisémitisme. Voilà, merci. J'ai déconné ça depuis longtemps. Donc les gens. Il dit, bah attends, si dès qu'on conteste des réalités, enfin des mensonges plutôt, on devient complotiste et donc antisémite, c'est que les mensonges, ils sont juifs. Ça fait partie des manipulations nombreuses comme la loi Guesso pour toujours mettre l'assimilation au pouvoir, au machin, l'influence aux juifs et les gens tombent tous dedans. Mais ça, est-ce que tu l'avais perçu que le jeu du système, c'est de faire semblant que le système est EST, le juif? Parce que si on attaque le système, on nous dit qu'on attaque les juifs, alors que des fois, ça n'a aucun rapport. Ils auraient très bien pu faire un truc anti-complotiste, d'accord, s'occupe que de ça, hein, imaginons, et un truc anti, voilà, comme genre le BTA. Bon, il délire des fois, il voit des antisémites partout, mais bon, bref, au moins c'est séparé. Et là, comme par hasard, ils mélangent, et comme par hasard, réfléchissez un peu, ils mettent qui en tête de gondole? Deux juifs. Mais c'est tellement flagrant que je me dis, mais comment les gens peuvent tomber dans le piège? Ils veulent assimiler le complotisme à l'antisémitisme. Et ça n'est pas un hasard. Réfléchissons encore une fois deux minutes. Si les Juifs dirigeaient tout, pourquoi voudrais-tu qu'ils se mettent des cibles dans le dos partout? Donc, on met des Juifs aux postes les plus exposés
pour dire, ah ben oui, il y a des juifs partout. Non, mais c'est ça qui m'énerve, c'est que il n'y a aucun rapport avec la religion juive. Cette communauté n'est pas organisée. Cette communauté, il y a, à mon avis, 50% de gens qui sont croyants, pratiquants, 50% qui s'en foutent complètement. C'est comme les musulmans, c'est comme les chrétiens. On en fait une affaire d'État parce qu'ils sont instrumentalisés, parce qu'ils sont faciles à mettre en avant, parce qu'il y a 2000 ans d'histoire et de légendes qui traînent sur eux, parce que si, parce que là, et ça marche dans tous les dossiers. Même, je répète, à l'international. Regarde, dernier exemple. Celui qui attaque Donald Trump, le procureur, comment il s'appelle? Michael Cohen. Michael Cohen, on ne peut pas faire plus juif. Donc, alors que Trump, c'est un ami d'Israël. C'est-à-dire que dans tous les cas, le système met toujours des juifs en porte-drapeau pour que les gens pensent que ah, ben, c'est les juifs qui dirigent. Les juifs n'ont aucun intérêt, surtout, imaginez la communauté organisée juive et les sionistes, quel intérêt ils auraient à attaquer Trump? Alors, Maximus, osez dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, franchement, soit tu es aveugle, soit vraiment tu es de mauvaise foi. Et je peux te le prouver rapidement. Alors, moi, quand je suis arrivé, non, je réponds 2 minutes. Moi, quand je suis arrivé, je m'appelais Programme JL, je n'avais pas mis mon nom ni ma photo, d'accord? 6 millions de vues par semaine, plein d'adhérents, je faisais un tsunami sur Twitter. Ok, il y a un connard qui a balancé mon nom, d'accord? Boujna, je suis devenu du jour au lendemain la cible de tout Twitter, avec des diffamations, des menaces sur ma femme, ma fille, etc. Consignes de blocage, 40 fois suspendues, insultes et menaces venant de tous les côtés, des musulmans, des cathotradis, de l'extrême droite, des soraliens, de toute la clique. Alors que juste avant, tant que je m'appelais pas Boujna, tout allait bien. Et je suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, oser dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Il ne faut pas dire ça devant moi, parce que franchement, maintenant que tu me dis, elle les protège. Mais la différence entre le racisme anti-juif et le racisme anti-arabe, par exemple. Déjà, la différence, c'est le même. Pour moi, c'est le même. Non, il y a une différence, tu vas voir laquelle. C'est que, par exemple, de mémoire, il n'y a jamais eu une vieille juive tuée par un jeune, une vieille arabe tuée par un jeune juif. Pour des raisons purement religieuses, Jésus est grand, je te jette par la fenêtre. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu de pogrom sur les musulmans. Et troisièmement, il n'y a jamais eu de massacre organisé à l'échelle industrielle des musulmans d'Europe, 40% de la population des musulmans d'Europe. Et ça ne date pas d'il y a 500 ans, ça date d'il y a 70 ans. Oui, mais parle du passé, Walter, on s'en branle du passé, on vit dans le présent. Le passé, mais non, le passé est important. Quand tu as un sujet qui devient comment dire, touchy, c'est parce que la blessure est récente. Évidemment qu'il y a eu 200 ans d'esclavage pour les Noirs. Ça date d'il y a 300 ans. C'est un peu plus vieux dans l'esprit des gens. 400 ans d'esclavage. 400. Non, on peut parler. Il y a eu 1200 ans par les Arabes, tu devrais le savoir. Et 300 ans, ou allez, si tu veux, 400. Non, je crois que c'est 300. Oui, ouais, c'est pas le sujet. Ouais. Non, mais il y a eu 1200 ans par les Arabes. Ne l'oublie jamais, quand même. Hein. Donc, ça veut dire que. Non, je te rappelle quand même, ça aussi, c'est partie des choses. Non, mais ça reste. Non, mais après ça, là, c'est des repères historiques et on va jamais s'arrêter sinon. Je vous laisse terminer. Mais les repères historiques sont importants pour comprendre que la pourriture est partout. C'est pour ça que je rappelle toujours les choses de tous les côtés. La pourriture, elle est partout. Et pour finir, quand je parlais de sionisme qui n'est pas un mondialisme, la seule religion, le seul peuple qui est tellement noble, et là-dessus, je leur en veux aux juifs. Je vais juste faire une petite. Je vais imaginer un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les juifs se sont renfermés sur eux-mêmes? Ils n'ont jamais voulu faire de conversion, ils n'ont jamais voulu faire de guerre de conquête, etc. Parce qu'ils sont snobs. C'est la seule religion qui n'a jamais voulu conquérir et convertir. Les chrétiens ont fait du mondialisme en Amérique du Sud en convertissant de force, en traitant les Noirs comme des esclaves et des sous-hommes. Et finalement, ah ben oui, on va vous convertir. Les Arabes ont fait pareil et on traite les Juifs de mondialistes, alors qu'ils l'ont jamais fait dans l'histoire. C'est pour ça que l'histoire est importante, les gens l'oublient. Donc, juste pour finir, je te le répète, cette République aujourd'hui, elle est franc-maçonne, elle est pourrie, c'est une fausse démocratie, c'est une arnaque totale. Le problème, c'est que l'alternative, c'est pas « ah, ben c'est la monarchie ». Parce que la monarchie, c'est mort aussi. Parce que tout le monde kiffe la monarchie. Genre maintenant, quand on est dans la merde, on essaye de fantasmer sur des trucs qui étaient mieux avant. Les gens savent que c'était mieux avant, je suis pas sûr. Puisqu'aujourd'hui, les castes qui nous dirigent, c'était l'équivalent des nobles de l'époque qui crachaient à la gueule du peuple. Donc est-ce que c'était mieux la monarchie? Moi, je crois pas, en vérité. La seule différence, c'est qu'au moins, le roi, il avait une légitimité religieuse, etc. Alors que le connard qui a à l'Élysée, il a aucune légitimité. Mais moi, je crois qu'il y a un système qui est entre les deux. Il y a, pour revenir sur la politique, il y a un système alternatif. Je suis certain qu'il y a un système, alors qu'on peut l'appeler, j'ai pas de nom, il faudrait trouver un nom, qui est pas forcément la République telle qu'on l'a maintenant, hein, mais qui est un système d'une espèce de démocratie, mais quand même organisée, pas une démocratie à tout va façon Grèce antique, parce que ça, Étienne Chouard et tout ça, ça n'a aucun sens. Tout le monde s'occupe de tout, on met plein d'étages de contrôle citoyen, ça marchera jamais, quoi.
Il faut un truc alternatif qui est un peu mixte. Je suis un peu sorti du sujet, là, je suis désolé. Mais un jour, on parlera de ça. J'aimerais exposer le projet EGL. Walter, un mot de conclusion. Maximus, déjà, je te dirais de ne pas parler d'honnêteté avec moi, parce que moi, quand je décris quelque chose, je donne des exemples incassables, ce qui n'est pas ton cas. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Le sionisme n'a rien à voir avec le mondialisme. Bon, après, chacun en tirera ses conclusions. Je crois que si on revoit l'émission avec l'Avare, l'Avare est utile, des fois au ralenti. On s'apercevra que j'ai fait 4 ou 5 démonstrations où il n'y a pas eu de réponse en face, et c'est tout à fait normal, j'ai l'habitude. Donc maintenant, là où je suis d'accord avec toi, et je crois que là-dessus, on est tous les trois en tout cas d'accord, c'est que nous ne sommes pas dans une guerre de religion, nous sommes dans une guerre entre des élites qui n'ont pas de religion, justement, et les peuples. Et tant que les peuples n'auront pas compris qu'ils sont divisés artificiellement par plein de manipulations, dont j'ai décrit quand même pas mal d'exemples, là aussi, l'Avare sera utile, quand j'explique qu'on met les juifs, qu'on veut les assimiler au système, qu'on met un juif toujours dans les mauvais coups, pour faire croire que telle et telle loi, c'est les juifs, hein, comme je crois que là-dessus, pareil, Maximus, sur l'histoire de l'avortement, tu ne peux pas répondre à ça. Ce n'est pas Simone Veil, c'est 577 députés. Donc, les Juifs n'ont rien à voir dans cette histoire. Les Juifs sont instrumentalisés. Et, bien sûr, en revanche, il y a plein de Juifs qui sont des pourritures. Parce qu'ils savent, et notamment Jacques Attali, ils savent, et BHL, pareil, ils savent qu'ils donnent une image du Juif exécrable, arrogante, enfin tout ce qu'on veut, l'argent, machin, le pouvoir, etc., le complexe de supériorité, et derrière, eux, ils n'en ont rien à foutre, parce que ceux qui payent, c'est des gens comme moi, qui s'appellent juste Boujna, et qui prennent sur la gueule toutes ces conneries-là, à cause de ces tocards. Donc, il y a des juifs pourris, comme il y a des musulmans pourris, et comme il y a des chrétiens pourris. Là, pourquoi ça dénonce pas plus? Mais c'est normal, la question. Maxime, je t'ai répondu déjà au début de cette question. Quand il y a un criminel qui est noir ou arabe, on ne le soutient pas forcément. Ah, on ne soutient pas quand c'est un chrétien qui commet un crime. Mais attends, tu te rends compte ce que tu es en train de me dire? Va parler à la communauté musulmane, combien ils ont été à dénoncer les attentats, combien ils ont été à dénoncer dès qu'il y a un musulman qui est. Personne ne dit rien. Alors, si tu ne fais pas des leçons aux juifs, parce que là-dessus, on est tous pareils. Hein. Les communautés sont toutes lâches. Moi, je suis le seul mec avec un non-juif qui défonce les juifs, et j'en ai rien à foutre. Enfin, certains juifs, pas les juifs. J'en ai rien à foutre qu'ils soient juifs. Moi, j'ai pas ce raisonnement communautaire, justement. Je déteste le communautarisme, d'où qu'ils viennent. Bon, parce que ça finit à la fin par faire le jeu du système et de la division pour mieux régner. Donc, si on comprend qu'il faut sortir de ces conneries et s'occuper des vrais ennemis qui n'ont pas de religion, eh bien, déjà, on aura fait un pas en avant. Mais à mon avis, c'est mal barré. Quand je vois depuis 5 ans ce que je vis sur les réseaux, avec des raisonnements basiques, avec des insultes de bas étage. J'ai pas vu le chat, mais j'imagine que dès que je suis arrivé, ouais, le sionisme, machin, je sais ce que c'est, quoi. Les gens, ils ont été pollués par des Soral, par des connards comme ça, qui leur mettent des idées de merde dans la tête. Et en plus, Soral qui est téléguidé par les francs-maçons, mais les mecs, ils le comprennent pas. On a créé 2 grands résistants pour mettre dans des enclos la résistance ridicule qui s'occupe de la communauté organisée, pour mettre à l'abri les francs-maçons. Ils travaillent pour les francs-maçons et personne le comprend. Moi, je le démontre tout seul dans mon salon, mais personne m'entend. J'ai rien à rajouter, votre honneur.